Hello, bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo spéciale NASCAR 2013. Pourquoi spéciale? Parce que c'est l'heure de Richmond. Alors, avant Richmond, un coup d'œil au classement général. Alors, j'ai une feuille à côté de moi. J'ai pris de la 6ème position, donc de la place de Kenseth, à la 17ème de Stewart. Donc tout ça, donc il y a du 6ème au 15ème, ils peuvent encore jouer les points. À partir, sinon il y a Hamlin. Bon, Burton, faudrait vraiment un gros concours de circonstances hein, quand même pour Jeff Burton. Mais Hamlin peut être dans le chase s'il a une deuxième victoire. Donc dans ce cas-là, si Stewart reste derrière, et Stewart pour l'instant est dans le chase grâce à ses deux victoires et non au point. Hein. Voilà. Donc, déjà ça. Alors, donc ça va être une course très spéciale. Hein. Ça va être vraiment une course spécial. Donc ça va être une longue longue course. Hop. Donc on se retrouve tout de suite hein, si jamais je dois vous quitter pendant la vidéo, ce qui peut être probable. Bon, pour l'instant je reste dans la même vidéo hein, je vous le dis. Alors hop, on va faire 40 tours. Ah, vous voyez, on va faire 40 tours, on va vraiment faire une course de une course tendue, voilà, oui, une course tendue. Hop, caution. Ah, fuck. J'aurais dû. Ah, mais ouais, j'aurais dû changer quelque chose d'abord. D'abord, bon, on va partir directement en configuration course. Comme ça, on va être tranquille. Alors, quelle était la tendance pour le Daytona 559? 258 000 spectateurs. Soyons fous. Ah non, seulement 41 000. Bon. On pouvait espérer, non? Bon. 250 000, c'est peut-être. Ah, c'était peut-être pour Indianapolis, par contre, ouais. Alors, nous allons démarrer cette course tant attendue qui nous donnera les 12 pilotes de Chase, les 10 premiers du classement général, ainsi que les 2, entre la 11e et la 20e place, qui auront soit la meilleure taux de victoire, soit la meilleure position. Ah bah, on n'est pas totalement dernier, c'est déjà pas mal. Tricky, 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 round, round, round. Et c'est parti, regardez un peu ce premier tour, attention, premier tour déjà très très chaud, 40 tours à parcourir, je vous le dis, ça va être long, mais c'est parce que, il va y avoir comme ça des vidéos assez longues, hein. Pourquoi? Parce que, c'est pour vous faire monter le suspense, parce que voilà, faire un peu monter la pression, voilà, Danny Kirkpatrick, en même temps ça me fait aussi, hop, voilà, et donc, du coup ce qui veut dire que ce serait peut-être dans un mois et demi qu'il y aurait, la fameuse épreuve de Daytona, bon, à la limite. Ah bah, Casimir. Non! Oh putain! Bon, il m'a foutu dernier, c'est con. Casimir, ça a été poussé. Alors, on va pouvoir faire déjà un premier bilan dans le classement. Bon, je suis 42ème, ça change pas des masses en fait par rapport au départ. Alors, Jimmy Johnson gagne, mais ça on s'en fout. Parce que Johnson gagne. Donc, pour l'instant, Lanny Burton est éliminé. Ensuite, bon. Arrive Junior, bon Junior du coup est calé. Junior est dans le chase, bon j'ai écrit Junior, ouais. Junior est dans le chase, Edward est dans le chase, Hamlin est dans le chase. Harvick, 9ème, Harvick. Ouf, très loin, il est très loin. Harvick, il y a Biffle qui est. Oh, Biffle rentre dans le top 10, attention! Biffle est dans le top 10! Biffle est dans le top 10! Parce que Kazy Kane est loin, et tous ceux qui sont derrière lui sont loin. Regardez, Harvick. Il est deux places devant lui, mais il a beaucoup de retard. Il a exactement 7 points de retard sur Biffle. Oh, mais c'est extrêmement chaud. Truex était déjà dans le chase. Mais alors là, du coup, Biffle est qualifié. Donc, forcément, Stewart est qualifié. Et donc, Harvick est qualifié puisqu'il est devant les autres, quoi. Voilà. Et oui. Ah, il y a Jeff Burton qui est 13ème également. Et bon, Burton, je vous l'avais dit, sans sa victoire, c'est foutu, quoi. Voilà. Hop, donc pour l'instant, ça, c'est fait. Voilà, hop. Donc voilà, le premier point sur le classement. Je vais pas le faire après chaque drapeau jaune non plus, faut pas rêver. Hein. Mais voilà comment ça va se dérouler pendant cette course. Qui s'annonce en tout cas sensationnelle. Et attention, c'est reparti. Je suis 42ème. Derrière, il y a Rotiman. Je sais pas si prendre la trajectoire intérieure, c'est intelligent. Parce que du coup, les jaunes vont appeler les jaunes, comme on dit. Hein. Et putain, je me fais mettre dans le mur par ce con. Non mais c'est moi qui la provoque la neutralisation en plus, putain. Non! Pas sérieux.
Non. Bon, c'est un début de course qui s'annonce absolument typique. Non seulement je crée des drapeaux jaunes, mais en plus à chaque fois je recule. Bon, je pourrais pas reculer de grand chose là maintenant, vous me dites, mais je suis quand même dégoûté. Youpi, j'ai fait tomber ma trousse, c'est génial. Oui, j'ai gardé en plus. Ah, j'ai pris un crayon gris pour noter au cas où je devrais noter. Et un nouveau drapeau jaune, putain, mais on peut pas avancer dans cette course de. Non, hey, on n'avait pas fait un seul tour. Bon, promis, là je prends la trajectoire extérieure. Bon, en plus ça tombe bien, je suis à l'extérieur, donc je vais prendre la trajectoire extérieure. Comme ça, je vais peut-être gagner des positions pour faire remonter dans le classement. Mais au début, je voulais vraiment faire une course avec des arrêts au stand et tout. Pour faire vraiment une course à la NASCAR. Promis, je le ferai pour certaines épreuves. Ouais. Promis, je le ferai. Non, j'avais dit que je prenais l'extérieur. Bon, et finalement, prendre l'extérieur, c'est pas bon parce que du coup, tu perds encore des positions. Aïe aïe aïe, finalement j'ai fait connerie sur connerie, mais c'est pas possible. Aïe aïe aïe, attention! Non! Non! Oh putain, c'est un carnage cette course! Regardez bien, c'est vrai qu'ils vont me faire éliminer du chase si ça continue. Pauvre! Oh là là, je me suis totalement explosé là, ouais. J'ai dû exploser le moteur. Ouais, hop. Donc, incroyable! On rentre vers un arrêt au stand. Ouais. Et parce qu'on peut pas faire autrement que de rentrer. Oh putain, par contre là c'est extrêmement lent. Ouais non, dégage. Dégage, c'est trop long pour attendre un. Non. J'ai pas rentré sous d'un pauvre non plus, t'es malade. Donc on va attendre que je sois un peu mieux dans le classement pour rentrer et du coup repartir à zéro. Et bon, vous voyez qu'on a déjà fait un quart de la course, pardon. Et que ben j'ai pas remonté tant que ça. Hein, ouais. Bon, en même temps là. Et regardez bien, ça sent encore une fois un safety car, à cause de moi. Bon là je suis dans le mur, bon, j'ai bien envie de recommencer parce que cette course c'est du grand n'importe quoi depuis le début là. Et franchement là, cette succession de drapeaux jaunes est absolument immonde, regardez, hop. Je ne gagne absolument pas de position, pourtant je suis censé être rapide sur les circuits comme ça. Donc voilà. Attention, on remonte à notre rythme. Putain, mais c'est pas possible, ces gens qui vous mettent dans le mur à chaque fois là. Ah. Bon, ok, j'ai compris. On restart, voilà, hop. Ça, c'est fait, voilà. Tout ce que je vous ai dit depuis le début, ça sert à rien, voilà, hop. C'est de côté, voilà, hop. On recommence parce que là, c'est juste plus possible, quoi. Ouais, non. Eh, vous avez vu, à chaque fois, il se passe des trucs et tout, là, c'est bon. Ah, quoi, je peux au moins faire une course tranquille. Eh, c'est pour qu'il y ait des drapeaux jaunes tous les tours, c'est bon quoi, c'est pas le but de l'épreuve. Go go go. Plutôt gogol hein, attention, oh là là. Boom. Mais par contre il y a le train arrière qui me dérange assez parce qu'il est en train de. Et qui part souvent à l'arrière. Oh là là. Je sais que je frotte pour passer, mais bon. Oui, c'est ça la NASCAR déjà de une, en plus c'est Richmond. Donc c'est encore plus poussif. Voilà, vous voyez que je reste collé à l'arrière-train de l'autre des Gilly Gilly Gland là. Gilly Gilly Gland. Gilly Gilly Gland. Pardon. Excusez-moi, ça y est, il y a eu la bifle. Bah ben maintenant, il y a Gilly Gilly Gland. Voilà. Gilly Gilly Gland. Mon dieu. Ah, mon pote Oragan. On peut pas s'empêcher de frotter. On se frotte à lui à chaque fois. Quoi. Oh, désolé. Vous voyez que je suis rapide, mais je sais pas comment je fais pour être rapide, je suis dans le mur. Ah ouais, non, là franchement je n'acceptais absolument pas le fait d'être dans le mur. Donc on va utiliser un retry pour éviter justement à chaque fois de recommencer cette course, hein, parce que sinon si je recommence à chaque fois une course de 40 tours, j'ai pas fini moi. Quand même, ouais. Cette course ne va pas durer une heure non plus, enfin j'espère pas. Oh, aïe aïe, on en est déjà 10 minutes non. Reagan Smith, that's Reagan Smith, c'est Smithy et Logano, attention, on revient sur Palmenard, le Popol. Mon dieu, il manquerait plus que Popol soit derrière Papa, soit derrière Patrick. Non, mais c'est méchant, non, en plus j'avais dit que je ne devais pas faire de ce genre de jeu de mots avec Danica, non, quand même pas, non.
Attention, on remonte Kurt Busch. Kurt Busch qui est un prétendant. Attention, Montoya est loin. Montoya est loin. Pour l'instant, il n'est plus dans le chase, Montoya. Avec sa position, il n'est plus dans le chase. Ce serait terrible pour les fans de Montoya. Dont moi, parce que je suis un fan de Montoya en plus, je le dis, voilà. Je l'aime bien, Montoya. D'ailleurs, je serais pas étonné que l'an prochain, il soit champion d'IndyCar avec... Bon, évidemment, mon cœur dit Simon Pagenaud, mais... voilà. Franchement, ce serait pas usurpé que Montoya soit champion de IndyCar Series l'année prochaine. Enfin, IndyCar Verizon Series, plutôt, voilà. Parlons peu, parlons bien, alors parlons IndyCar. Hop, Greg Biffle est loin. Pour l'instant, Biffle n'est pas dans le top 10, mais il pique une position, du coup. Attention, Stewart est bien placé. Bon, Stewart est dans le top 20, donc ça, il y a une certitude là-dessus. C'est tranquille. Kezikane est loin, donc attention, Kezikane pour l'instant n'est peut-être plus dans... Il n'est plus dans le top 10, là, Kezikane. Il n'est plus dans le top 10, Kezikane. Il était déjà 10ème pile-pile, et pour l'instant, attention, il n'est plus dans le... Il n'est plus dans le chase. Bon, lui, il est plus, hein. Ah, Burton. Oh, oh, l'accident. L'accident, Marc Martin et Brad Keselowski. Bon, l'avantage, hein, c'est que les deux ne sont pas dans le chase déjà. Donc on a fait un quart de la course, je crois. Alors, bon, Kyle Busch est en tête. Jusque là, ça ne change rien. Donc ça élimine déjà Burton, Hamlin parce qu'il était loin. Donc ça joue entre Kurt Busch et trop loin. Alors. Pour l'instant, Truex est dans le chase. Ça s'était fait en même temps, c'est logique. Harvick est dans le chase. Harvick est dans le chase, seulement si Montoya est pas loin. Montoya est loin, donc Harvick est dans le chase. Voilà. Harvick est dans le chase et qui le rejoint? Harvick est dans le top 10 en fait. Donc Stewart est bien placé. Et Biffle. Junior est dans le top 10, oui, normal. Biffle, là, oui. La bifle, y a Montoya. Ouhou, attention Montoya, Stewart. Est-ce qu'il y en a qui peut. Attention, Kezikane est 14ème et Kezikane n'est plus dans le chase puisqu'il y a Harvick qui est loin devant, oui. Harvick est loin devant donc Kezikane n'est plus dans le chase. Donc ça va être tendu, oui. Ça va être tendu. Et donc je pense que Biffle est dans le chase avec Stewart. C'est ce que je suppose, tout du moins. Donc là, si je regarde très près ma feuille, c'est assez dérangeant. On est au 9ème tour de la course, donc on a passé un peu les 10 minutes de vidéo là. On est même quasiment à 12 d'ailleurs. Attention, je suis trop large, je suis dans le mur. Attention, il a pas fait dernier lui. Bon, attention, parce que Brad Keselowski. Oh, attention, c'est Junior! Oh là là, ça a été chaud avec Junior, j'ai cru qu'il allait avoir un safety car encore. Attention, il y a Junior qui est sur la partie extérieure. Pour l'instant, Junior n'est peut-être plus dans le chase. Le chouchou des États-Unis. Le chouchou de l'Amérique. Oh, attention! C'est Ricky Stenhouse qui provoque la deuxième caution de cette course. Ouais, Ricky Stenhouse. Mais attention, mais vous avez vu qu'il y avait l'autre là. Oui, je devais vous parler de Brad Keselowski qui, pendant plusieurs courses, s'est attisé vraiment les foudres. Hein. Il y a eu deux grosses bagarres avec. Avec Kenseth, avec Gordon, il y a eu vraiment deux grosses bagarres avec lui. Bon, les deux fois, c'est vraiment Brad Keselowski qui est en tort. J'ai rien contre Keselowski, hein. Au contraire, j'étais content qu'il soit champion. Non pas parce que j'aimais pas Jimmy Johnson, au contraire, j'ai appris à l'apprécier ce garçon, mais parce que ça changeait, quoi. Voilà, tout simplement parce que ça changeait un peu et que ça faisait du bien d'avoir un nouveau champion pour une fois. Mais quand même, il est un peu trop. Il est un peu trop limite, voilà. Disons que c'est un peu du Kyle Busch d'il y a quelques années, voilà. C'est. Ouais. Il a. Enfin, plus Kurt Busch que Kyle Busch, ouais. Quand même. Kurt Busch s'est très assagi d'ailleurs, depuis 2-3 ans, là, ouais. Il s'est vraiment bien assagi, j'avoue, il a bien changé. Avant, bon, faut le dire avant, c'était quand même une tête de con, quoi, quand même. Il était pas très apprécié des Américains, etc. Mais il y a Kane qui ralentit, il est en plein milieu à l'intérieur. Attention, Kane. Oh là là, c'est très tendu. Alors qu'on arrive au 15ème tour quasiment. Oh, aïe aïe. En même temps, je peux pas trop bouger quoi. Il y a Pastrana qui me pousse. Il y avait devant avec Biffle. Attention, Kizikane, il y a la Biffle. Il y a Biffle à l'extérieur. Si Biffle est dans le top 10, attention, ça peut tout changer.
Oh aïe aïe, eh Biffle est dehors, attention. Aïe, ah, y'a Montoya, Montoya, non. Oh là là là, il fait des rampes dans tous les sens. Biffle va repartir 43ème. Il sera donc quoi qu'il arrive dans le chase, ça on savait de toute façon. Mais attention, oui. Ouf. Bon, ah, Montoya n'a peut-être pas. Montoya n'est peut-être pas. Ouf, si, ouais. Je crois, je crains que Montoya ait été. Ouais, ouais. Et oui, attention, terrible. Montoya pour l'instant n'est plus dans le chase. Déjà qu'il était limite, limite. Alors là, franchement, il est très mal placé avec sa 42ème place. Il va falloir remonter pour lui. Kenseth. Kenseth a une deuxième victoire, donc Kenseth est qualifié avec sa deuxième victoire, déjà qui était sixième en plus. Ensuite, Harvick est qualifié. Quand même, Harvick grimpe dans le top 10. Kizikane sort du top 10. Junior sort du top 10. Peut-être d'ailleurs, Junior. Junior sort peut-être du top 10, c'est pas sûr. Hein. Mais en tout cas, c'est très tendu, voilà. Bon, ça reste toujours Kane et ça reste toujours Biffle et Stewart. Hein. Mais attention, ouais, attention quand même, tout peut encore basculer. Nous sommes seulement au 18ème tour de cette course. Clairement, cette course va être très longue. Oh, mais d'où il sort lui? Mais d'où il sort Kenny Kane? Attention! Oh, aïe aïe, on s'est explosé. Attention, attention. Oh là là, ça revient derrière. Oh, mais ça s'est explosé avec Kenny Kane. Kenny Kane risque de ne pas être dans le chase par contre avec cet accident. Et du coup, sa dernière place qui fait aucun doute quoi. Oh là là là, Danica qui était encore impliqué dans l'accident, quoi, qui a été touché un peu de tous les côtés. Donc voilà, je rebond 18ème quand même, ouais. Alors Kenseth est toujours devant, bien sûr. Alors, Clean Boyer. Bon, Boyer n'était pas dans le chase déjà. Enfin, si, il l'est, je crois, ouais. Kizikane n'est plus dans le chase. Montoya remonte 38ème, c'est déjà pas mal. Greg Huffle remonte un peu, mais attention, oui, attention. Harvick descend un peu dans le classement et donc pourrait ne pas intégrer le top 10, mais être quand même dans. Et du coup, s'il n'est pas dans le top 10, il n'est pas dans le chase. Étant donné que Biffle est trop loin pour être dans le top 10, je vous le dis, c'est très tendu. Hein. C'est vraiment le cas Biffle. Voilà, la limite, le cas Junior aussi. Ah bah oui, Junior est dans le top 10. Enfin, Junior sont dans le chase avec 3 victoires. Enfin, oui, c'est logique. Mais il y a vraiment deux inconnus, quoi. Junior et Biffle. Si les deux sont dans le top 10, c'est nickel. Si un des deux est dans le top 10, pendant que moi je suis dans le mur. Non, c'est moi qui l'a créé la 5ème neutralisation. Donc on va éviter quand même, voilà. Hop, on retry un peu. Nous sommes à 17 minutes. Bon, ça devrait faire à peu près du 40 minutes de course. Attention! Voilà, hop, c'est McMurray. That's McMurray. Attention, attention, Adal Junior. Junior pourrait rentrer dans le top 10. Ça serait. Enfin, il est déjà dans le top 10. Top 10, vous me direz, mais ça pourrait du coup tout faire basculer s'il sort du top 10. Et ainsi éliminer Tony Stewart. La condition que Tony Stewart soit dans le chase. Pendant que je sors Keselowski. Voilà, hop, ça c'est la petite vengeance. Voilà, la petite vengeance Keselowskienne. Tada! Non, vous voyez, hein. Hop! Je suis peut-être. Qu'est-ce que j'entends? Excusez-moi, non, c'était juste devant apparemment. Voilà. Alors, bon, je suis dans le top 10, ça c'est nickel. Kyle Busch, Kyle Busch. Non, on s'en fout de Kyle Busch finalement, il est dans le chase facile. Harvick remonte 4ème, donc Harvick est dans le chase. Truex également. Stewart remonte très bien, attention. Junior reste dans le top 10, donc c'est parfait pour lui. Kurt Busch, attention, Kurt Busch pourrait peut-être tirer les marrons du feu et se qualifier. Kurt Busch pourrait être. Eh bien, je crois que Kyle Busch est dans le top 10. Montoya ne remonte pas vraiment, il est 38ème malheureusement. Aïe aïe aïe. Attention, ouais, le cas Montoya m'inquiète vraiment. Ouais, le cas Montoya m'inquiète vraiment, ça aurait été sympa que ce soit dans le top 12 vraiment. J'aurais vraiment apprécié me battre pour le titre contre lui. Donc plutôt avec lui. Bref. Martin Truex, oh Truex. Ah oui, c'est vrai qu'il y a 4 Truex quand même. Je sais absolument pas ce que je fais parce que je dois regarder dehors également en même temps. Donc je conduis en regardant à l'extérieur, en bougeant et tout, c'est très très chaud. Attention, il y a Truex. On monte au 23ème tour. Et nous intégrons à nouveau le top 10, Burton. Burton. Oh, Junior va être vraiment dans le top 10 là. Junior va être ancré dans le top 10 vraiment. Ouh, attention avec Hamlin.
Amine est bien. Ah, Amine. En fait, Amine, la seule condition pour qu'il soit dans le chat, c'est qu'il y ait des amis qui sont. Attention, hop, oh là là. Hop, bon, on va se faire une petite neutralisation quand même en plus. Bon, vous me direz, ils sont dans le chase, donc on peut les sortir quand même, voilà. Hein. Ils sont dans le chase, autant laisser la victoire. Attention, Gordon! Attention derrière! C'est chaud! Oh là, Junior à l'intérieur. Junior peut-être pour une 4ème victoire, ce serait exceptionnel. Boom! Oh, Gordon! Harvick! Harvick remonte à l'intérieur! Harvick est très bien placé à l'intérieur, attention! Ça pourrait tout changer si Harvick gagne. Non seulement il aurait deux victoires, il sucrerait. Bah, il serait peut-être dans le chase avec deux victoires, vous me direz. Enfin, je pense même que c'est pas si. Il serait dans le chase, Harvick. Non, Harvick ne serait pas dans le chase, quoi qu'il arrive, avec une deuxième victoire. Enfin, puisqu'il n'aurait pas forcément les points de la. Ah. Il n'aurait pas forcément repris les points nécessaires. Tandis que si Montoya et Biffle. Enfin, si Montoya. Parvenait par miracle, hein. A gagné la course, il serait automatiquement dans le chase, non seulement avec sa deuxième victoire, mais qu'en plus il serait dans le top 10, quoi qu'il arrive, il aurait repris les points nécessaires, voilà. Le point pour avoir mené la course, et le point pour avoir gagné. Donc attention, il y a Edwards. Il y a Edwards. Voilà, c'est très tendu. Ouais, bon là en même temps on était limite. Oh, Gordon. Et ça part en crash. Oh, qui s'est explosé à l'intérieur. C'est pas McMurray, je crois. Non, ah, je crois que c'est. Ah, si. Ah, si. C'est pas. Oh là là. Oh, ya ya, non, c'est Jeff Burton qui s'est explosé à l'intérieur là. Oh là là, mais attention, on a fait beaucoup tourner au 27ème tour du coup. Ouais. Attention, Denny Hamlin. Denny Hamlin gagne. Et donc, attention, important. Hamlin devait gagner pour être dans le chase. Il gagne pour l'instant. Il est dans le chase. Aïe aïe aïe. Tony Stewart est deuxième, mon dieu. Incroyable, il y a une bagarre qui est en train de se créer. C'est hallucinant. Harvick et Chase Junior également. Moi également aussi, bien sûr, du fait. Puisque j'avais. Alors moi j'avais déjà 10 points d'avance sur la. Sur Kazekan qui était 10ème. Hein, donc 12 sur le 11ème. Donc bon. Eh hey, Montoya est remonté 30ème. Ça remonte un peu. Pas des masses, mais ça remonte. Voilà. Donc, par contre. Machin, 21ème Biffle. Bon, Montoya remonte pas des masses. J'ai vraiment peur pour lui, je vous le dis. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans de Montoya, quand même, ouais. Donc, j'ai peur pour lui, mais attention, parce que là, le restart va être absolument fou. Il reste quasiment 10 tours à parcourir. Attention. Oh là, il y a du 3, du 4 de front derrière. Mais comment ils arrivent à rester debout avec du 4 de front? Ouais, je me disais aussi que ça devait partir en crash. Non, Gordon. That's Gordon! Aïe aïe aïe! Ça a fait un pataquès terrible, c'est la 7ème neutralisation! Oh, vis pas les courses de 500 tours à Pocono avec moi, ça marche pas! Hein. Ouais, non, ça fait du 37 car et j'en passe encore! Quoi. Ah, ça! Oh putain! Oh putain! Je vais repartir dernier! Oh putain! Oh merde! Oh merde! Denny Hamlin est premier! Bon, là c'était pas du prévu. Denny Hamlin est dans le chase, donc top. Ah non, bah oui, parce que Denny Hamlin est peut-être dans le chase, certes. Mais moi, j'ai des victoires. Ouais. Oh putain, j'ai foutu ma merde. Il y a Junior qui est 41. Du coup, Junior n'est plus dans le chase. Mais s'il est plus dans le chase et que moi non plus, forcément, Biffle ne sera pas dans le chase. Donc, si Junior et Biffle ne sont pas dans les 10 premiers, forcément, ils sont automatiquement impliqués puisqu'ils ont 3 victoires. Et donc, moi, je l'ai dans le cul parce que j'ai que 2 victoires et que je suis pas en plus dans le top 10. Voilà, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Je m'excite, hein, je sais. Je sais. Oh là là, donc. Il faut vraiment espérer remonter le plus de place possible. Et là, c'est que je ne peux pas remonter tant de place parce que je suis vraiment bloqué là à l'intérieur. Évitez à tout prix les murs. Hein. Évitez à tout prix les murs, remonter à fond la caisse, faire les meilleurs tours possibles pour espérer remonter et faire une bonne place et ainsi être dans le chase. C'est très tendu cette fin de course. C'était absolument pas prévu que je fasse un accident. Enfin, que ce soit moi qui soit responsable comme ça. Je pensais absolument pas que je serais responsable déjà. Pour moi, c'était pas logique que je sois pénalisé pour ça. Hein, quand même. Faut pas déconner non plus. Je suis pas pépère. Hein. Oh putain, mais je remonte pas. Au contraire, je perds du temps à cause de ça. Aïe aïe aïe. Attention, je remonte, mais c'est pas énorme. Hein. Je remonte, mais c'est pas énorme.
Il restera encore 5, 6, 7, 7, 8 tours quoi. Il restera 6 ou 7 tours, je sais plus. Ouais, ça va, ça va. On est 33ème, on remonte un peu. Oh mon dieu, si je suis dans le chase, je l'aurais pas volé hein, quand même. Oh ya ya, attention. On pousse un peu. Attention. Le moindre drapeau jaune, ça me fait perdre 2 tours. Hein. Très important à prendre en compte aussi les drapeaux jaunes, oui. Ouais, attention, oh ya ya. Trevor Bayne qui me bloque un peu à l'intérieur. Il y a Casimirs. And you're clear. Ah là par contre je suis pas clair. Je suis pas clair du tout là. Je suis dans le mur. Attention, Casimirs. Il y a Montoya qui est bien remonté, 22ème. Il reste 6 tours à parcourir. Attention. Attention. Attention, ralenti, ralenti, ralenti. Non, je pouvais pas ralentir, je vais être obligé d'accélérer. Ah, là 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 là, c'est très très chaud malheureusement. Voilà. J'ai l'impression d'être extrêmement lent dans les virages. En fait, ouais, je crois que j'ai trop tapé à la côté gauche. Oh non! Oh! J'allais dire un gros mot, vous avez de la chance. Bon. Alors, on lance un retry, bien sûr. Mon dieu. Je suis absolument... ouf. Tant, je suis tangent, non. J'ai vraiment peur, hein. J'avoue, j'ai vraiment... Je suis très inquiet pour ce chase. Bon, vous me direz, ce serait pas une grosse perte, mais j'aimerais bien être dans le chase déjà dès ma première année, quand même. Hop, on freine un bon coup, on accélère, on est dans le mur. On est dans le mur. On est dans le top 20, mon dieu. Vous me direz, si je suis 11-12, ça peut passer, quoi. Il y a vraiment moyen, mais c'est pas dit. Mais c'est pas dit que je sois dans le top 10 comme ça, donc il faut vraiment assurer la meilleure place possible maintenant. Il va rester 4 tours, 4 tours. Et vous voyez à quel point c'est tendu. Oh là là, mon dieu, que c'est tendu. Ouh. Break, 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 break. Et on le passe par l'extérieur du coup. Oh, joli dépassement, superbe, superbe dépassement, bravo. Par contre, je sais absolument. Vous voyez que les temps en tour sont très bons pour moi, mais. Enfin, très bon. C'est relatif quand même, ouais. Et par contre, j'ai extrêmement peur de ne pas être dans le chase si jamais je fais ça. Attention, ça remonte, ça revient à l'intérieur. Oh là là, à la limite, créer une neutralisation pour espérer remonter un peu plus. Ah oui, en plus, il y a Biffle à l'intérieur. Oh, yaï yaï. Non, mais c'est pas moi qui dois la créer, la neutralisation aussi. Oh, yaï yaï, mon dieu. Bon, la neutralisation, je dis, c'est possible, mais pas sûr, hein, voilà. Get ready. Attention, il y a Maynard qui me fait remonter. Ah, j'aurais pu m'appuyer sur Maynard pour passer, du coup je perds quelques positions. Kizzy Kane qui a tapé le mur, attention Kizzy Kane. Attention. Petite pause à l'entame du dernier tour. Non, ça va. Bon. Du coup je vais hop retrayer un peu parce que je me suis... Donc pas un peu raté, hein, non. C'est juste que j'ai pas ralenti comme j'aurais... Enfin, je devais ralentir... Enfin non, non, je vais pas ralentir. Hein. C'est juste que... Ah. Comment dire. Je croyais que c'était ici, en fait c'est pas ici qu'il y avait une voiture. Donc voilà. Donc, je vais reprendre comme je devais reprendre. Voilà, hop. En table du dernier tour. Dernier tour. Last lap. Last lap. Je suis 13ème pour l'instant, tout va bien. Ouais, ouais, c'est trop violent, trop violent, trop violent ce... Ce truc là, ouais, non. Oh, y a, y a... Attention, on reprend à nouveau un retry, bien sûr. Ouais. J'essaie vraiment d'y aller à fond, oui, j'avoue. Un peu trop, même parfois. Hop. Ralenti à fond et on accélère à fond. Allez, 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 y a moyen. Remonte sur Burton. Attention, il y a moyen de gagner 3 positions, 2 positions, 3 positions. Et 11ème, ça devrait être suffisant, ça devrait être suffisant, même 10ème. Oui, je crois qu'on y est. Je crois qu'on y est. Je crois qu'on est dans le chase. Ouh. Alors de toute façon, on va le voir tout de suite avec le classement en relief. Alors bon, je vais noter et je vais vous le dire. Alors Kenseth. Kenseth 4, Stewart 5, Gordon Gunn, donc ça on s'en fout de toute façon déjà. Donc alors, Amine est éliminé. Déjà, Burton
est éliminé. Donc ça, on élimine déjà ça. Truex, c'est 7. Edwards, non, on s'en fout. Harvick est 9. Comme ça, je vous fais vraiment du suspense, suspense. Bon, moi, je suis 10 déjà. Kurt Busch est 11. Burton est 12, on s'en fout. Biffle est 14. Alors, Pablo est 18. Pablo. Kane est 19. Il y avait Dale Junior. Oh putain, j'ai vraiment. Non, bah non, j'ai pas peur pour Dale Junior. Non. Alors, et malheureusement, Dale Earnhardt Junior est 37ème. Aïe aïe aïe, Dale Junior me fait vraiment peur. Alors, sont dans le chase. Kenseth. Truex Junior. Bon, évidemment, alors. 27. Bon, je suis dans le chase déjà, ça je vous rassure. Junior perd 18 points. Oh putain, c'est tendu, ouais. C'est tendu parce que. Bon, Junior est dans le chase, de toute façon, ça on le savait. Stewart est éliminé, puisque Junior n'est pas dans le top 10, et donc Biffle. Ah, attendez, c'est pas sûr. Attendez. Ouais. Alors, il y a 7 points d'écart entre Harvick et Biffle. Il y a 5 places d'écart, donc. Mais Harvick a mené un tour, donc il y aura 6 points alors. Voilà, donc. Harvick ne passera pas pour un point. Kurt Busch non plus. Biffle! Biffle est dans le top 10, ouais. Biffle est dans le top 10. Donc Stewart est intégré, je pense, dans le chase. Biffle est dans le top 10. Kazekine est donc éliminé puisqu'il a 0 victoire. Ensuite, qui du coup peut. Bah oui, Stewart est qualifié puisqu'il a 2 victoires. Bah oui, du coup, Montoya est donc forcément éliminé puisqu'il a 1 victoire. Harvick est éliminé parce qu'il a 1 victoire. Et Kurt Busch est éliminé parce qu'il a 1 victoire. Voilà. Donc pour moi, il y a Kenseth, Truex, Abe, enfin Abe moi, Junior, Biffle et Stewart. Donc pour moi, c'est comme ça que ça se passe. On va voir. Voyez les comptes un peu d'apothicaire là. Qui était le plus jeune pole starter là en gagnant en NASCAR Sprint Cup? Joey Logano, j'aurais. Ouais, non, Logano. Voilà. Ouais, Trevor Bench, c'est parce qu'il a gagné Daytona, c'est tout. Et vous voyez, je suis 6ème, donc dans le chase, ça je le savais bien sûr. Donc Biffle, Johnson. Alors, donc. Kenseth, je l'avais dit dans le chase, il y est. Ouais, Kenseth, il y est. Alors, Truex Junior, on le voit pas, pour l'instant on le voit pas, puisqu'il a 0 victoire donc on le verra pas. Moi, je suis dans le chase donc. Alors, j'avais bon. J'avais bon pour moi. Junior, on l'a pas vu pour l'instant. Biffle, on l'a pas vu pour l'instant. Harvick est dans le chase, ah bon? Harvick est dans le chase apparemment, ok. Harvick était dans le top 10 avec sa 9ème place. Ah oui, donc avec son point de bonus parce qu'il a mené. Ah! S'il a mené. Ah bah oui, s'il a mené le nombre de tours suffisant. Enfin, s'il a mené le plus grand nombre de tours, dans ce cas, je pense pas de toute façon. Mais c'est surprenant qu'il arrive à être. En fait, Harvick, je l'avais pas. Voilà. Stewart. Donc Stewart est éliminé. Ah non, Stewart est dans le chase. Dale Earnhardt Jr. y est. Et Truex. En fait, Biffle est éliminé! Biffle est éliminé? Non! Eh oui! Ah bah non, il est premier. Bah non, je suis con. Bah oui. Biffle est même en tête. Parce que Biffle est dans le top 10 en fait. Biffle est dans le top 10. C'est. Bah oui, ça je l'avais dit. Et Harvick en fait est 11ème. Ah bah oui, Harvick est le meilleur des autres. Donc il est 11ème. Et donc Stewart est qualifié. Ouais. Et malheureusement, vous voyez que Montoya est malheureusement 14ème. Et oui. Ah, ça se joue à quelques points. Donc 2000 points, Stewart. Donc en fait, il me manquait juste à Harvick parce que j'en avais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors qu'en fait, il fallait 3, 4, 5, 6, 7. Bah oui, il m'en manquait un. Donc forcément, c'était Harvick, ouais. Donc voilà ce que ce sera le prochain. La course au titre, donc entre les 12 pilotes. Vous voyez, un 9 points d'écart entre le premier et le 12e. Ça va être ça. Ça va être très tendu. Ça va être génial. Donc on est dans le chase. C'est déjà. Ça fait déjà plaisir. Alors, avec la prochaine course, ça sera Chicago. Donc on se retrouve pour l'épreuve de Chicago la semaine prochaine. Au revoir à tous. Bisous, bye bye.